Ah oh, bah c'est trop mignon. Ah bon? Mais non, mais je savais pas que toi aussi tu faisais ça. Je fais quoi? Arrête, bah, sois pas gêné, je te dis, moi aussi je le fais. Mais quoi? Mais toi aussi, tu t'allonges sur le lit des filles quand elles sont pas là. Elles te manquent tout le temps. Du coup, t'as besoin de t'imprégner de leur odeur, de les respirer, de sentir leur petite transpiration délicieuse. Ça te rappelle quand elles étaient bébés, t'as l'impression d'être avec elles. C'est presque animal, quoi. Ben ouais, mais non, pas du tout. En fait, c'est juste Clotilde qui m'a demandé de vérifier si son sommier était pas cassé. Ah bon? Mmh. Ah, d'accord. Et donc ça... Bah, elle a pas tort, hein. Il est un peu affaissé, là, hein. Mais bon, maintenant on sait pourquoi, hein. Chien, oui, c'est mon chien, chien, oh, sur la bouche, ah, caramel, oh, mon gros chien, chien, je fais des câlins, oh, tu fais des câlins, du câlin d'amour qui fait des câlins. Ok, c'est bon, j'ai joué avec lui pendant 15 minutes, et maintenant je vais le promener pendant 10 minutes. Si tu nous prouves que tu peux t'en occuper au quotidien, alors là, on en reparlera. Oui, bah, je pouvais pas imaginer qu'il tiendrait les 3 mois. Je m'en fous. Je veux pas d'un chien à la maison. Tu te débrouilles. C'est quand même chaud d'avoir la même tête toute sa vie, hein. Ça doit être lassant au bout d'un moment. Je crois que j'en ai déjà marre. Je comprends qu'il dise ça parce que moi en ce moment, mais je n'arrête pas de me faire la réflexion, quoi. Et encore, on a de la chance. On peut varier, nous. On a les coiffures, le maquillage. T'imagines les hommes? C'est une blague, là, tu te fous de moi? Toi, t'as genre une nouvelle ride par jour. Des fois, le matin, tu te réveilles, t'as des cernes jusque-là, et même tes cheveux, ils changent tout le temps. T'as trop de chance. Alors que moi, bah, c'est tout le temps pareil, c'est chiant. C'est dur, ta vie, hein. Ouais. C'était de Grimmins quand on était petites. Papa et moi, on trouvait que vous étiez les plus jolies petites filles du monde. On est moches. Jade, elle est toute bouffie. C'est les yeux de l'amour, ça. Qu'est-ce que tu veux? Je crois que j'ai ça aussi, les yeux de l'amour. Ah bon? Avec papa, je vous trouve super beau. Mais j'ai peur qu'à l'âge adulte, je me rende compte que vous n'êtes pas si beau que ça. Maman, il y a un problème. Quoi? Mais j'ai pris la voiture et j'ai eu un accident. Quoi? Mais t'es complètement inconscient, qu'est-ce qui t'a pris de faire un truc pareil? Tu te rends compte, t'aurais pu blesser quelqu'un, ou pire même. Mais c'est quoi? Pourquoi tu me regardes avec cette tête là? C'est pas vrai. Hein? Mais c'est pas vrai, j'ai pas pris la voiture. En fait, j'ai 4 de moyenne en maths. Pardon? T'as 4 de moyenne en maths, c'est une blague? Non, non, vraiment, j'ai 4 de moyenne en maths. Mais c'était pour te faire relativiser, te montrer que bah, c'était pas si grave en fait les notes. Quoi? Mais Lucas, il fait ça avec ses parents. Bah c'est complètement con comme technique. Du coup, je suis super énervée. 4 de moyenne en maths, tu te rends compte? Hein? C'est fini la console, mon petit père. On va travailler tous les jours, je vais pas te lâcher, je te promets. Mais ça t'a pas fait relativiser un tout petit peu le truc de la voiture? Ah non, pas du tout, non. Mais je comprends pas, quand tu m'as montré, ça marchait super bien. Oh! Je suis super énervée là, donc maintenant tu vas travailler tes maths. Oui, oui. Je vais appeler Lucas, il y a un problème quand même. Papa, j'ai fait une connerie. Oh, non, encore. J'ai pété ton ordi. Ok. Je la connais, votre méthode. Allez, balance. T'as une mauvaise note, c'est ça? Bah oui, mais comment tu sais? Je suis rodé, hein. Tu balances une fausse mauvaise nouvelle pour me faire relativiser, tout ça. Allez, gagnons du temps. Combien? 2 en physique. Non, mais c'est pas possible! Tu fous rien, quoi! Je vais en parler avec ta mère. Tu vois, ça marche pas, ta petite technique. Je suis furieux! Non, mais calme-toi, c'est toi qui as voulu savoir. Moi, j'étais pas venu pour ça, de base, hein. Par contre, j'ai vraiment pété ton ordi. C'est pas tes frites. Non, mais je suis tes frites. Hé, hey, arrête, papou, elle continue à voler mes frites. Bon, Jade, ça suffit, t'arrêtes d'embêter ta sœur maintenant. Ok. Comment ça, ok? Bah ok, j'arrête, c'est fini. De toute façon, je faisais ça pour vous, surtout. Comment ça, pour nous? Bah ouais, je grandis, moi. Ces gamineries, bientôt, ça m'intéressera plus. Et vous verrez, vous les regretterez, nos engueulades, quand on sera plus là. Vous l'entendez, le silence de vos vieux jours, là? Thank you.
ça se fait pas. Tu l'as bien cherché. Je te parle même pas, toi. Microbe. Je te déteste. Petite peste. Petite mémé. Salut, pas. Salut. Hey, j'ai vu un reportage hier sur les zèbres. C'est super beau comme animal, hein. Ouais. Mais en fait, c'est un peu grâce aux rayures. Non, parce qu'un zèbre sans rayures, c'est comme un âne. Et c'est pas super beau, les ânes, pas vrai? Ouais, c'est clair. Mais en fait, c'est super esthétique, les rayures. Hein. Mm-hmm. C'est comme les colonnes de Buren. Tu crois qu'on les aurait gardées si elles n'avaient pas de rayures? Tu connais les colonnes de Buren, toi. Mais ceci, t'as raison, c'est pas fou ce que tu dirais. Mais ouais, si tu réfléchis, il y a plein d'autres exemples comme ça. Hein. Ouais. Des trucs que t'aimes grâce aux rayures. Ah ouais, t'as raison. Tiens, par exemple, avec ta mère, l'autre fois, on a vu un plan de travail en acier, tu sais. Mm-hmm. Bah, ce qui le rendait beau, c'est qu'il avait été brossé à la paille de fer. Il était tout rayé. Et bah voilà. Non, mais c'est comme les baskets, là, aux trois bandes. Bah, c'est un peu comme des rayures. Ouais, sur les trois bandes, c'est plus les mêmes baskets, quoi. C'est comme ma marinière. Hein. Bah, sans les rayures, c'est pas une marinière. Et bah, grave, sans rayures, ça serait qu'un pull blanc. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ça, c'est incroyable. J'ai jamais fait gaffe. Mais en fait, il y a plein de trucs qui n'ont aucun intérêt s'il n'y a pas de rayures. Mm. Eh ben, je suis content que tu le vois comme ça, parce que je viens de rayer ta voiture sur toute la longueur avec mon vélo. Bisous, bisous. Hé, hey, Polo, viens là. Attends, Polo. Bah dis donc, tu fais du trafic de drogue au lycée ou quoi, toi? Très drôle. Je rends service à la voisine. Je garde son chat, en attendant qu'elle rentre. Mais le mari, il est pas là? Je crois qu'il était en arrêt maladie. Pourquoi il le garde pas, lui? C'est parce qu'il court en faisant pipi partout. Et comme il peut pas sortir de son lit, c'est pour l'aider. Le mari, il fait pipi partout? Mais non, le chat, mais tu comprends rien, toi. Ah non! Mais non, c'est parce que t'as dit il, c'est un pronom personnel, et c'est pour ça que ça marche pas quand on dit. Ah bah chérie, tu tombes bien, dis-moi. Je me demandais, ça veut dire quoi OKLM? Quoi? Les lettres OKLM, ça veut dire quoi en langage de jeune? Ah bah ça veut dire t'es au calme, genre t'es tranquille, t'es au calme, quoi. Ah d'accord. Ok, super, merci. Et attends, un dernier truc, parce que ça m'intéresse. Ouais. Ça veut dire quoi exactement être dans Turfu? Quoi? Non mais attends, tu fais quoi là? Pourquoi tu veux savoir ça? Mais pour rien, parce qu'il y avait un gars tout à l'heure dans une émission qui disait ça, puis j'ai pas compris, et je me demandais qu'est-ce que ça veut dire exactement être dans le Turfu? Est-ce que c'est comme une espèce de drogue, comme quand t'es sous l'emprise de l'alcool ou... Non, mais n'importe quoi, non, être dans le Turfu ça veut dire genre, t'as tout compris à la vie, tu vois, t'as un coup d'avance. Ah d'accord, ok, super. Ok, merci. Tu rentres à quelle heure? Bah, on avait dit minuit, mais vu que t'as pas vraiment envie que je dise à Letty que tu lis ses textos, on va plutôt dire une heure, non? Oui, c'est bien une heure aussi. Olive, t'as pas vu mon vieux sweat? Ah, j'ai jeté. Quoi? Bah, il était plein de trous, il était plus portable ce sweat. Mon sweat préféré? Celui que j'ai depuis mes 15 ans? Non mais pourquoi t'as fait ça? T'aurais au moins pu... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai appuyé sur le bouton pause. Quoi? Là, je me sens attaqué, et comme je ne veux pas être réactif, je presse mon bouton pause. Ça veut dire que tu vas jamais terminer cette conversation? Oui, là, tu vois, là, je suis en colère. Mm-hmm. Mais j'accueille cette colère, et je réfléchirai plus tard à tête reposée à ce que je veux vraiment en penser. D'accord. Du coup, ton vieux sweat hyper moche, là, j'ai bien fait de le jeter... Arrête, Olivier, je suis en pause. Ouais, mais ton vieux sweat hyper dégueulasse, du coup, c'est... Arrête, Olivier. On est quand même d'accord, lapin, que ton vieux sweat, c'est quand même tout ton mauvais goût réuni dans un seul... Bon, ok, Olivier, t'es insupportable à toujours jeter les affaires des autres. Alors je m'en fous, tu fouilles la poubelle, tu vas à la décharge, tu te démerdes, mais tu me retrouves mon sweat. Mais ton bouton pause... J'ai rappuyé sur play. C'est super bon. Merci mon amour, c'est pas grand chose, tu sais. Ah non mais je t'assure, c'est à tomber, hein, le goût que ça. Tu devrais en faire ton métier. Hein. C'est gentil, mais j'ai déjà un métier que j'aime. Ma grande chef, tu mérites au minimum 3 étoiles. Oui, bon ça va, on a compris là. Mais qu'est-ce qui te prend? Bon, excuse-moi, tu crois que je te vois pas venir? Grande chef, 3 étoiles, tu devrais en faire ton métier. Pourquoi je suis pas bonne dans mon métier, c'est ça? T'as entendu des trucs? Mais pas du tout. C'est Corinne Cavavé, quand elle t'a appelé l'autre jour. J'en étais sûre, mais quelle punaise! Tout ça parce que j'ai fait une toute petite faute d'orthographe sur le nom d'un client. Elle en profite pour me rabaisser, mais tu sais pourquoi? Parce qu'elle a pas le niveau, c'est tout. J'en reviens pas, qu'elle ait le culot de monter contre moi. J'ai bien vu que vous aviez parlé longtemps. Mais pas du tout, elle m'a juste parlé de son fils. Mais que tu es naïf! Tu sais quoi? J'ai plus envie de cuisiner, ça m'a dégoûté. Chérie! Donc je note, ne jamais faire de compliments à une meuf, c'est trop risqué. T'as un vrai exemple pour moi, Benoît, je te jure. Oh.
tu m'as fait peur. Mais tu vas réveiller toute la maison, là. Attends, mais je fais quoi, là? C'était en soirée, comme toi, non? Attends, ça veut dire on a fait le mur le même soir? Le double mur? Attends, et en plus, on est rentré en même temps. Non, énorme. Le triple mur. Attends, mais c'est un truc de ouf, mais... Mais pourquoi t'as fait le mur, toi? Non, je suis pas le mur, moi. Tu vas réveiller papa. Elle n'a pas l'habitude, c'est pour ça. Ah oui, pardon. Excusez-moi. C'est parce qu'en fait, comme il est 7h du mat, moi, je fais pas le mur. Moi, j'ai fait un jogging. Mais vous, vous êtes punis. Bonne nuit. Ma fille, c'est une racaille. Ma fille, c'est une rebelle. Qu'est-ce qui se passe? Bah rien, c'est Jade. Tu sais où elle est? Bah dans son lit. Non, elle a fait le mur. On sait pas où elle est. On est ses parents et on sait pas où elle est. Tu vois, je t'avais dit, c'est une rebelle ou c'est pas une rebelle? Bah j'espère que c'est pas vrai, parce que sinon elle va m'entendre. Ah oui, ça va falloir t'habituer, hein. T'as une ado à problème, hein. That's life. Ouh, il y avait rien à manger, j'ai trouvé que ça. Bon, d'ailleurs, je t'ai pris de l'argent dans ta poche. Je vais réveiller Clo. Bon bah ta fille n'a pas fait le mur, hein. That's life. Non. Mais par contre, elle m'a piqué de l'argent. D'accord. Ma fille, c'est une voleuse. Ma fille, c'est Al Capone. Ça va, Léa? T'as bien dormi? C'est quoi ce sourire? Depuis quand t'es sympa avec moi, toi? Je sais pas. Comme ça, quoi. Je suis juste de bonne humeur. Ouais. Je te fais une tartine? Ton père me trompe. J'en étais sûre. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu sais? T'as vu un texto, c'est ça? Mais non, je te jure. C'est juste qu'il y a un mec que je kiffe, il m'a dit qu'il voulait sortir avec moi. C'est tout. Ah, bah dis-le alors. Comment je peux savoir, moi? T'es jamais de bonne humeur, normalement. Wouah! J'ai flippé! En fait, comment ça va avec Luna? Ouais, ça va. Enfin, je me demande si ça va pas un peu trop vite, là, parce que on est un jeune couple et on a déjà des habitudes. Pff, mais c'est pas grave, ça. Bah si, attends, papa, les habitudes, ça crée la routine, et la routine, ça tue les couples. Mmh. Là, ça fait déjà 2 mercredis qu'on va au ciné, 3 dimanches qu'on mange chez ses parents, et 2 fois qu'on se fait des câlins sans qu'elle... Non, papa, ça va, non, t'inquiète pas, mon polo, t'as de la marge. Salut. Pardon, chérie. Ouais. Ok, bon, je vais appeler Luna pour annuler le ciné. Hein. Ok. Ok. Ah, la routine avec elle et tout, elle aime pas. Ah, déjà ouais. Ah ouais, mais ça... Ça se travaille, hein. Oula, attends, tu fais quoi, là? Tu comptes pas mettre cette assiette dans le lave-vaisselle, quand même? Si. Bah non, faut la rincer d'abord. Voilà. Non. Avec du savon. Ah non, on frotte. Voilà, maintenant elle est propre. Tu peux la mettre dans la vaisselle. T'as lavé mon survêt? Ouais, je te l'ai même repassé pour qu'il soit tout doux. T'as vu, il y avait un trou dedans, tu l'as réparé? Ouais, je te l'ai réparé, t'inquiète. Il y a plus de jus d'orange, quand est-ce que t'en rachètes? J'irai tout à l'heure, j'ai pas eu le temps, chérie. T'as pas vu mon chargeur? Si, je te l'ai mis sur ton bureau. D'ailleurs, sans vouloir abuser, ce serait bien que tu répondes à ta tante. J'ai vu qu'elle t'avait écrit une gentille carte pour ton anniversaire. Non mais depuis quand tu fouilles dans mes affaires? On est où là? Mais j'ai pas fouillé, il était sur ton bureau. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais un peu d'indépendance, c'est possible ou pas? Pas vrai, ça? Tu fais les machines, toi, maintenant? Bah ouais, je gère, hein. Tu sais, on va pas tarder à s'installer avec Luna, donc je commence à me faire la main sur les tâches ménagères. Et donc, tu sais faire des machines, donc trier le linge pour pas qu'il décolore, tout ça? Eh, c'est pas sorcier, hein. Tu sais, si tu te concentres, toi aussi, t'y arriveras. Non, ça va, c'est bon. Tu veux que je mette ton pull, là? Non, mais c'est de la laine. C'est une machine à combien, là?
Je sais pas, à vue de nez comme ça, je dirais 350-400 €. Mais tu sais que ça, c'est du super bon matos, hein. Ouais. Tu gères, Paul. Franchement, tu gères. Ça, c'est à moi. T'as lavé les courgettes avant de les éplucher? Non, parce que je les ai épluchées, justement. Ah non, mais c'est pas possible, ça, hein. Faut que tu les laves. Non, non, qu'elles sont épluchées. Bah oui. Puis les épluchures aussi. La poubelle est propre. T'arrêtes pas, mon chéri, c'était magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je voulais juste vous aider. Je me suis permis de ranger le lave-vaisselle. Il était sale, mais c'est pas grave, mon chéri. Je me suis aussi permis de faire tourner une machine. Mais Antoine, ça va pas la tête? Tu es ta mère? Non, non, je suis désolée. Je savais pas si j'avais bien séparé le blanc des couleurs. Du coup, j'ai mis une lingette décolorante. Merci, mon chéri. Bon, qu'est-ce qui se passe? La vérité? Oui. C'est la voiture, j'ai pas... Arrêtez tous les deux. Ne me gâchez pas ce moment. Ah, surtout. Ouais, dis-moi, donc, tu sais pas qui c'est ce t-shirt là? Parce que je vois pas du tout. Oui, alors là, attends, laisse-moi faire, faut utiliser la méthode primale, ok? Laisse faire l'homme. Alors, déjà, ça c'est pas Jules, parce que Jules, il a un parfum avec une petite odeur de lavande, et là, il y en a pas. On est sur une odeur masculine, donc ça c'est pas Laetitia. Ça sent l'oignon, ouais, avec. avec un petit côté poivré. C'est. Alors, attends. Ça sent. Ouais, la chaussette qui a mariné dans son jus. Oh, dis-donc. Ouais, et. Ça sent l'ado après l'effort avec une pointe d'effluve féminine. C'est Polo, c'est mon champion. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais avec le t-shirt de Ryan? N'importe quoi. Donc là, tu viens de renifler copieusement les hormones du mec de ta fille. Ça va? Oh. Tu fais quoi? Je lave mes affaires, je suis allé courir. Tu veux pas les mettre à la machine plutôt? Si, mais je les lave d'abord à la main. Mais du coup. Non, laisse tomber. Dis, Minou, t'as pas vu la feuille d'impôt? Je galère. Sur la table. Bah. C'est quoi ça? Total Fitness Club? C'est à toi en plus? Tu t'es inscrit dans une salle de sport? Ah ouais, je viens de la recevoir. En fait, je me suis dit que si je voulais passer un palier en vélo, fallait mieux que je me fasse une petite préparation, celle de muscu, tu vois, quoi. D'accord. Je croyais que les muscu, c'était réservé aux bourrins narcissiques. Non, mais c'est pas du tout la même approche, là. Les mecs, ils sont dans un esprit beaucoup plus réfléchi, tu vois, c'est le respect du corps, c'est pas des bourrins, je peux te le dire. Non, mais c'est pour passer un palier en vélo, c'est pas pour aller faire le beau sur la plage comme les autres. Oui, bien sûr. Non, mais t'aurais dû me dire que t'y allais parce que j'y serais allé avec toi. Ah, avec ouais. Plaisir. Salut. Bah, et donc, toi aussi, t'es allé au sport? Ouais, j'ai trouvé une salle avec un tarif étudiant. Elle est cool, alors il y a beaucoup de jeunes et surtout beaucoup de meufs et de la qualité. Hein. D'accord. Et elle s'appelle comment cette salle de sport? C'est celle juste à côté de la maison, là. Total. J'ai pas entendu, chérie, tu peux répéter? Total. Ça va, papa? Oui, très bien, papa. Tu peux venir voir Papounet? Ouais. Ouais. Dis donc, c'est marrant, j'ai l'impression que Paul est dans la même salle de sport que toi. Oh, ouais. C'est quoi? Total Fitness Club. Ah ouais? Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a plein de filles. Ouais. Quoi? Bon, alors là, écoute, on doit pas y aller aux mêmes horaires, hein, parce que moi, je peux te dire qu'il n'y a pas une fille, c'est simple. Là, ça, je me suis même dit ça l'autre fois, je me suis dit, bizarre, il n'y a pas de femmes dans cette salle. Ouais. Par contre, si c'est étudiant, moi, je me désabonne, hein, c'est pas du tout l'esprit, là. Ah, des étudiantes, surtout. Un truc de ouf. Donc, ça gère tout aussi, toi, des fantasmes, l'autre, là. Attends, arrête. Ah non, non, je te jure, même le mec de l'accueil me l'a dit, il y a 95% de meufs. Oh. Il a jamais vu ça. Mais il est complètement con, le mec de l'accueil aussi. Non, mais je les sens pas, ces mecs-là, là, avec leur réduit dans tous les sens, ça sent la magouille à plein nez, je te jure. Non, mais je suis sûr qu'ils sont même pas aux normes. Ah, mais c'est sûr. Bah attends, tiens, regarde ce que je leur fais, c'est scrooge. Regarde, bouge pas. Allez, je donne pas d'argent à ça, moi. Et voilà. Allez, ah oui, fitness, voilà. À rien du tout. Belle force d'esprit. Voilà. Terminé, quoi. Et toi aussi, je veux plus que tu y ailles. Hein. Je vais acheter du matos, je vais le mettre dans le garage et on s'entraînera. Ah non, je veux y aller, moi. Je te dis que c'est comme ça. Casse-toi. Allez. D'accord, donc c'était... Ah oui. Pour passer un palier en vélo. En vélo, oui. Ouais. Elle est bien, hein. Elle ouais. Est... Il y a de la recherche. Ils ont les machines, les mecs. Hein. Tiens, chérie. Là, c'est qui, là, sur la photo de classe? Ah, c'est le papa de Mathias. Il nous a accompagnés en sortie scolaire. Donc, il est vachement beau, le papa de Mathias.
Carrément. Mmh. On l'adore toutes dans la classe. Mais toi, t'as pas le droit de regarder. T'es mariée. Ça, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on peut pas acheter un coup d'œil sur le menu. Enfin, normalement, quand t'as commandé, on te retire le menu. Fini de travailler, toi, au lieu de... Hein? Hello, mon amour. Salut, chérie, ça va? C'est quoi cet air de conspirateur? Qu'est-ce que tu planques, là? C'est quoi, ce paquet? Ah, ça? Ah, mais rien, c'est rien du tout. Bah comment ça, rien du tout? Pourquoi tu le planques si c'est rien du tout? Non, mais je me suis trompé. C'est un paquet pour les voisins, les Devaux qui arrivaient chez nous. Et j'ai voulu... Enfin bref, c'est nul, je vais le remettre dans leur boîte aux lettres. Oh, mais t'es dingue! Mais c'est génial, vas-y, on l'ouvre. Alors, ils sont comment, des quoi, Monsieur Parfaito et Madame Parfaita? Non, arrête, fais pas ça, c'est relou. Oh, putain. Un costume de soubrette. Non, mais un costume de soubrette, quoi. Oh, la cochonne, la grosse coquine, bah, va être belle avec ça. Faut pas exagérer quand même, c'est marrant. Excuse-moi, tu me vois avec ça? Alors mon vilain, il paraît qu'on est tous sales. Ah non mais sérieusement, ils ont besoin de ça pour pimenter leur vie sexuelle, les deux vous. C'est un petit peu dur là, ça peut être marrant. Bah c'est les JO du mauvais goût, pardon. Oh putain, y'a une carte. Mais arrête, c'est relou, ils vont se rendre compte qu'on a ouvert l'enveloppe. Mais non mais arrête, t'es dingue. Alors... Dépoussière-moi mon amour, signé... Benoît. Bah il s'appelle pas Benoît, le voisin, si? Non, il s'appelle pas Benoît, non. Oh, tu crois que ça les excite de s'appeler comme nous, genre? Grave. Oh, les grands malades. Oh, mais c'est toi, le voisin? Enfin, je veux dire, c'est toi, le déguisement? Ouais, c'est moi. Non, mais revenez, monsieur Kabbala. On va prendre bien un petit coup d'éplumant. Attends. Hop. Attends. Oui. Bouge pas. Voilà. Et voilà. Voilà. Yeah. Wouh. Je suis tellement fière, ma chérie. Va sur vos dissertations. Écoute, tu sais quoi? Ben, je crois que t'es la première martinée. Ah oui, oui. Tiens, sûrement. Merci. Non, mais de toute façon, je le sentais, j'avais un bon feeling dans la salle et tout. Mais c'est vrai, en dissertation, je sais pas, je pensais que j'étais pas capable. Ah. Mais évidemment, regarde, que t'en es capable. Il faut que tu te fasses confiance, chérie. Franchement, c'est que le début. Enfin, maintenant, c'est parti, là. Wouh, l'autoroute, on les mettra là. Je sais pas, non, je sais pas. J'arrête. Pardon? Ouais, j'arrête. Je pourrais jamais faire mieux, de toute façon. Donc, je préfère partir sur une victoire et pas faire la disserte de trop. D'accord, mais tu comptes faire quoi après, là? Je sais pas, je vais prendre du temps pour moi, ça fait 16 ans que je pratique. Là, je suis au top de mes capacités. Je veux pas décevoir mes fans. Bon, je crois que c'était pas une bonne idée, là. Je décroche? Ah oui, je décroche. Ouais. On a reçu le bulletin de Jade. Mmh. Elle a encore les félicitations ce trimestre. Il fallait s'y attendre, hein. Ah, bon, c'est super, non? Oui, c'est juste qu'il va falloir lui trouver un cadeau. Oh, m'en parle pas, c'est ma hantise. À raison de 3 félicitations par an, sur toute la durée de sa scolarité, ça fait au moins 50 idées de cadeaux à trouver. Oui, et puis sans compter les premiers prix du conservatoire, son Noël, son anniversaire, ça me saoule d'avance. Non, on pourrait peut-être lui filer de l'argent. Hein. Non, ça, je sais, c'est pas vraiment nous, mais à un moment, on a autre chose à foutre que de chercher des cadeaux à notre fille de 15 ans. Mais oui, mais même l'argent, tu te rends pas compte, c'est un gouffre financier. Ou alors on lui fait une petite corée. C'est très généreux de ta part, mais je suis pas sûr que ça lui plaise. Ouais. Bon, alors on lui donne rien cette fois-ci, hein, voilà, on lui explique que c'est comme ça, que c'est pas toujours juste. Bah oui, mais on envoie quoi comme signal à Clotilde? Tu vois, c'est aussi pour elle qu'on fait ça, pour qu'elle se surpasse. Non mais franchement, elle est chiante aussi, elle pourrait pas avoir des mauvaises notes de temps en temps. Mais franchement, 4 en maths, c'est trop lui demander? Imagine, elle redouble. Tu me fais rêver. Ce serait tellement bien. Oui, mais c'est pas gagné. Yasmine, dis-moi la vérité, t'as triché ou pas? Non. Je te crois pas. Bah évidemment que j'ai triché, mais c'est ta faute aussi. C'est de ma faute si t'as triché? Non, c'est ta faute si je sais pas mentir. Tu m'as pas montré l'exemple, tu sais pas mentir. Bah désolé de pas t'avoir montré comment mentir, donc t'as triché. Oui, voilà, t'es content? Ah, et bah voilà, ça c'est ma fille, t'es pas une menteuse. Allez, file. Attends, mais Yas, ça veut dire que t'as triché? Yas! Purée, c'est
pas possible. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tes enfants qui passent leur journée sur leur téléphone portable sont infoutus de répondre quand on leur envoie un SMS. Ah ouais, d'accord, ok. Mais là, t'en es où, là? Enfin, je veux dire, combien de messages? 5, ta fille, Laetitia, juste pour aller à la réunion parents-prof, elle répond pas. Ok, comment? Ah, t'en es déjà en majuscule? Ah bah là, au troisième, moi, je passe la vitesse supérieure. Hein. Ouais, c'est une méthode, hein. Pour le troisième, je passe direct au SMS fatal. De quoi? Le SMS fatal, celui où tu réponds à tous les coups. Par exemple, Paul, la dernière fois, troisième message. SMS fatal. C'est normal que ta console ne soit plus dans ta chambre? Rassure-moi, tu l'as prêté à un pote. Il m'a rappelé direct. C'est génial. Bah bien sûr. Attends, j'en ai un pour Jules. Je l'ai pas encore envoyé, hein, mais il est prêt, tu vois. Ouais. Tiens, Jules, je peux jeter ta collection de Sciences et Vie? Parce qu'il faut concerner le gamin. Tu vois, si tu l'agresses, il se braque le gosse. C'est pas bien dingue. Sûr, j'ai carrément compris, Minou. Alors là, je vais te dire, oh, 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 ça va partir, mais bim bam boum. Dis-moi, Laetitia, si tu ne réponds pas immédiatement, je lis ton journal intime. Non, mais c'est n'importe quoi, ça met de quoi. Mais non, mais il faut un peu de finesse, là, ça, c'est de la menace basique. Non, mais si je te file des tuyaux pour faire ça, c'est pas la peine, hein, je te le dis honnêtement. N'importe quoi. C'est hein. Voilà, merci, Minou, super cool. Allez hop, au lycée, quoi. Je te jure. Tout se perd, quoi. C'est. Tout se perd. Jade, qu'est-ce que tu fous, bordel? Ça fait 10 minutes que je t'attends. Faut y aller, là. Ouais, ouais, j'arrive. Non, mais tu plaisantes ou quoi? Ça fait 10 minutes que tu me dis la même chose. Oui, j'arrive. Ah, ça va me rendre fou, c'est. Jade, je te préviens, je compte jusqu'à 3. 1, 2, et. Ah, ben voilà, c'est pas trop tôt. Je te rappelle qu'on a un train à prendre. Non, mais Jade, c'est pas possible! C'est bon, je suis là. Enfin, qu'est-ce que tu fabriquais? Je t'ai entendu descendre. Tu vas me rendre fou, hein? Non, c'est pas ça. C'est juste que, en descendant, j'ai réalisé que toute ma vie, je suis arrivée avant que t'aies le temps de dire 3. Donc, en fait, bah, je sais pas ce qui se passe après 3. Et j'ai très envie de savoir. Eh ben quoi? Ah, bah, après 3, t'es puni? Ah oui? Y a vraiment rien, en fait. Tu t'attendais à quoi? Je sais pas, à force d'y penser, j'avais un peu idéalisé le truc. Je m'attendais à quelque chose de plus surprenant, de plus recherché. Non, franchement, pourquoi tu comptes pas jusqu'à 1 plutôt? Tu gagnerais 2 secondes. Bon, allez, grouille, on va rater le train. Bon, Antoine, ça suffit maintenant avec tes séries, là. En plus, t'as du boulot. C'est bon, c'est bientôt fini. Non, mais tu m'as déjà dit ça il y a une demi-heure, maintenant tu vas bosser. Ça va, détends-toi, il reste 5 minutes. Bon, bah déjà, tu me parles pas comme ça et maintenant tu vas dans ta chambre bosser. 4 minutes, c'est bon. Bon, ok, c'est bon, j'y vais. Ça va? J'appelle un docteur? Ouais, quand il m'énerve, je lui rejoue mon accouchement. Ça lui montre le mal que je me suis donné pour le mettre au monde. Je trouve ça important qu'il s'en souvienne parfois. Ça va? Alors, comment c'était ce premier cours de boxe? Mais t'avais raison, c'est génial! Non, mais attends, puis ça te donne la santé, hein. Je te dis pas le cardio qu'il faut avoir. Ouais, on m'avait dit, ouais. Et j'ai appris plein de trucs, hein. Technique de défense de malade. Tiens, viens voir. Viens. Le prof, il m'a dit que j'apprenais super vite. Dis donc, t'es sexy, hein? Tiens, vas-y, tiens-le, je vais juste te mettre. Voilà. Voilà, super. Ah. Bon, je te montre, d'accord? Donc, en fait, tu m'attaques, ok? Donc, moi, je vais me protéger, je suis là, je pivote, comme il m'a montré, vas-y, frappe-moi. Oh non, non, je fais pas ça, Mignon. Je te dis, ça va, frappe-moi! Non, j'ai peur de te faire mal. Mais t'inquiète! Pourquoi t'as fait ça là? Non, parce que tu m'as dit de te frapper. Tu prends pas surprise, on est même pas en situation là. Mais oui, mais tu m'as dit de te frapper. Mais je suis de te frapper, mais j'ai même pas fait ding-dong. Ding-dong. Bah oui, bon, ding-dong. Bah je sais pas, t'as fait ding-dong. J'ai fait super mal. En plus, j'en fais plus moi. Domi, je me suis renseigné, il y a 3 options. Alors, 1, c'est la salle de sport. C'est vraiment pas cher. C'est 15 euros par mois, 25 à 2. Alors, en plus, il y a vachement de machines et je m'y connais. Donc, c'est ça qui est le point positif. Par contre, c'est en intérieur. Donc, l'hiver, c'est agréable, mais l'été, bof. Alors, t'as une deuxième option, c'est la natation. Donc, c'est un poil plus cher que la salle, mais par contre, ça te fait un corps hyper harmonieux. Et en plus de ça, je pense qu'on pourrait avoir le couloir des nageurs. Tu vois. Troisième et dernière option, c'est gratuit en plus, c'est le footing, 3 fois par semaine. Alors, c'est pas top pour les articulations, mais par contre, ça te ferait un bien fou. Alors? Bah écoute, ça tombe bien que tu parles de tout ça, parce que moi, j'ai une quatrième option à proposer. Je crois qu'il ne faut pas que je me mette au sport. Non mais je te jure, c'est vrai, hein. J'ai bien réfléchi. Le constat est implacable. Le sport, c'est un énorme danger pour moi. Mais n'importe quoi. Mais si, regarde. Au début, ça va être sympa, hein. On va faire ça tous les deux, quoi, une ou deux fois par semaine. Je vais m'affiner. Bah c'est ce que tu cherches. Voilà. Du coup, les gens dans la rue vont me regarder. Et ça, moi, j'ai pas l'habitude, hein. Du coup, je vais prendre du plaisir. Donc je vais en faire encore plus. Je vais faire du sport tous les jours, plusieurs fois par jour. Je vais plus penser qu'à ça. Non, ça va être affreux.
Du coup, je vais m'arrêter. En un mois, je vais reprendre tous les kilos que j'ai perdus en un an, voire plus. Les gens vont arrêter de me regarder dans la rue. Chut. Dépression. Beaucoup réfléchi, hein. Ah non, c'est horrible. Ah non, vaut mieux pas que je m'y mette. Hein. Pour tout le monde. Ça va, c'était bien? Hyper sympa. Ça fait un bien fou de se défouler pendant la pause déj. Par contre, je te dis pas, faut assurer, hein, parce que les petits jeunes du bureau, ils plaisantent pas sur le terrain. C'est cool, ça crée des liens en dehors. Il y avait beaucoup de monde? Bah non, juste les deux équipes de foot. Ah, et puis Véro. Véro, elle joue au foot? Non, elle a voulu faire sa pause déj avec nous. Plutôt que de manger sa tarte seule au bureau, quoi. D'accord, la nana, elle se tape 25 minutes de bagnole juste pour aller bouffer un sandwich sur un banc qui pue la sueur. Non, mais elle a voulu en profiter pour faire un sauna, ça détend aussi. Ah bah oui, bien sûr, un sauna. Du coup, c'était aussi sympa pour elle. Ça crée des liens, team building. Pourquoi le sauna, il est mixte? Bah oui, c'est une asso, c'est pas grand comme club. Il y a qu'un sauna. Tu sais quoi, la prochaine fois, j'y vais aussi. Attends, t'es à l'autre bout de la ville. Bah ouais, mais ça me fait envie, cette équipe en détente, tous ensemble, avec une toute petite serviette de toilette autour de la taille. Oh, rien que de t'en parler, je me sens déjà beaucoup plus détendue.